opération de communication pour l'ex-ministre de la Mobilité. Jacqueline Galland sort de l'ombre pour vider son sac. Elle retrouve les journalistes qui l'ont tant éprouvé. À un moment, c'était devenu d'une violence rare. J'étais tous les jours sollicitée dans la presse, attaquée. Et je pense qu'à un moment, on a besoin de prendre du recul et de se poser. 9 mois après avoir quitté le gouvernement fédéral, Jacqueline Galland se livre dans un ouvrage au titre évocateur. Elle revient sur sa vie, sur sa carrière, les hommes politiques et les mots durs qu'elle a eus avec Didier Reynders. Je n'attaque personne, je raconte simplement ma façon de voir les choses et l'ensemble des dossiers auxquels j'ai été confrontée. J'ai abordé vraiment tous les points d'une vie politique et c'est vrai qu'à un niveau de pouvoir que le niveau de ministre, les choses sont totalement différentes, surtout quand vous venez d'une commune de 10 500 habitants. Jacqueline Galland revient sous le feu des projecteurs sans rancœur et recommence à écrire un nouveau chapitre.